Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est rôti de porc aux torsades. C'est des torsades multicolores. Eh bien, ça met un petit peu de couleur dans nos assiettes. Et eh bien, pour cette recette ici, j'ai un rôti de porc. J'ai 2 cuillères à café de concentré de tomate. 300 g de torsades multicolores. Je vais mettre un cube de bouillon de bœuf. 2 cuillères à soupe d'huile. Du sel et du poivre, et puis je mettrai 100 ml de vin blanc. Et bien c'est parti pour notre recette. On va commencer par se mettre en mode manuel et en mode doré. On prend l'huile et on va la mettre bien sûr dans la cuve du cookie. Le préchauffage est terminé, je fais revenir mon rôti. Alors bien sûr, je vais ajouter de l'eau, là je vais mettre 500 ml d'eau. Je vais émietter mon cube de bouillon de bœuf. Je vais ajouter mes 100 ml de vin blanc. Je vais mettre un petit peu de sel, on rectifiera l'assaisonnement avant de déguster. Un petit peu de poivre. Et je vais pouvoir programmer ma cuisson. J'arrête la fonction dorée. Je me mets en cuisson sous pression ou cuisson rapide et je vais programmer 50 minutes. Ok, avec un départ immédiat, je peux faire mon coup. La première partie de la cuisson est terminée. Je vais ajouter une torsade dans la cuve Théo. Et on va reprogrammer une cuisson. Mon cookie me propose de prolonger la cuisson, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre 5 minutes de cuisson. À faire OK et fermer mon couvercle. La cuisson est terminée. Je vais réserver mon rôti pour le couper en tranches. Et je vais en profiter pour ajouter mon concentré de tomate. Je mélange. Pendant que je coupe ma viande, soit vous mettez en maintien au chaud, soit vous fermez tout simplement le couvercle. Voilà, mon rôti est coupé en tranches. J'ai plus qu'à servir cela chaud. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.